Comment dessiner en perspective? Exercice. Escalier en perspective frontale. Énoncé de l'exercice. Dessiner la perspective frontale d'un escalier en utilisant la méthode de la ligne de mesure pour la division des surfaces en tranches égales en perspective. Considérez que l'observateur est assis dans l'axe vertical AX de l'escalier. Le plan incliné passant par les têtes de marche est construit avec une ligne d'horizon LH1 et un point de fuite PFA. Les plans des marches se construisent avec une ligne d'horizon LH2 à environ 3 marches, environ 45 cm du sol, et un point de fuite centré PF2. Réalisation. Tracer le plan ABCD passant par les arêtes des nez de marche, et ce selon les règles de la perspective qui a pour point de fuite PF1 et une ligne d'horizon LH1. Donc notre ligne d'horizon LH1, l'axe de l'escalier, le point de fuite PF1, les fentes pour limiter la surface et la surface elle-même. A, B, C, D. Tracer la ligne d'horizon LH2 et le point de fuite PF2 des plans horizontaux de l'escalier, c'est-à-dire les marches. Donc notre ligne d'horizon LH2, le point de fuite PF1 et la hauteur de la ligne d'horizon par rapport au sol, 45 cm environ. Tracer la ligne de mesure LM en partant du point D. Donc notre ligne de mesure LM. Tracer une ligne partant de PMA, passant par le point B et croisant LM en un point PM2. Le point PMA. Le départ de notre ligne, elle passe par le point B et croise LM en PM2. Diviser le segment DPM2 en parties égales représentant le nombre de marches de notre escalier. Les divisions. Tracer des lignes LMI entre le point PMA et les points I, repérés ici par des petits traits en rouge. L'ensemble de nos points, de nos lignes LMI. Tracer des fuyantes entre PF2 et les intersections entre les lignes LMI et le segment BD. Donc le point APF2 et le segment BD. Traçons maintenant les fuyantes. Tracer des verticales passant par les intersections LMI et BD.
tracer des horizontales partant des points d'intersection LMI BD vers AC. Tracer des horizontales partant des points d'intersection entre les verticales et les fuyantes de PF2 vers AC. On ne peut voir ici que 3. Raccorder les points d'intersection verticale BD et verticale fuyante. Tracer trois fuyantes de PF2 vers AC pour les trois premières marches, pour limiter leur largeur côté gauche. Raccorder les extrémités gauche de toutes les horizontales. Enlever toutes les lignes de construction. Nous voyons mieux maintenant le traçage de nos escaliers. Ajout d'une rampe en maçonnerie et suppression des restes des traits et des indications de construction. De fuyantes pour les rampes. Les rampes et la suppression de tous les traits. Donc, nous avons maintenant l'aspect final avant habillage de notre escalier. Habillage escalier, marche en marbre blanc et contre-marche en marbre noir. L'aspect final de notre escalier après habillage. Comment nous contacter? Vous le savez déjà, pour tout complément d'information sur cette vidéo ou sur toutes les autres vidéos de la chaîne, quel que soit le sujet traité, vous pouvez poster un commentaire sur la chaîne Web Savoir sur YouTube ou m'envoyer un mail sur websavoir@hotmail.fr. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À plus.